Allô tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Putain, t'as toujours pas compris, c'était sur la chaîne de Jan et Roman. Bienvenue sur la chaîne de Jan et Roman, j'ai eu mon prénom. Ouais, bravo ça. Aujourd'hui, on va faire un petit défi. On va aller dans une friperie pour faire du shopping l'une pour l'autre. Ça va être un gros défi. L'objectif, c'est de faire 3 outfits différents pour l'autre et pas se tromper. C'est parti. On s'est donné rendez-vous à Eva Bay, qui est une friperie à Montréal. Elle est vraiment nice. Si vous êtes sur Montréal, vous pouvez aller voir. Et donc, on s'est séparés pour aller faire notre shopping chacune de notre côté. C'est super dur à trouver. J'ai l'impression qu'il y a que mon style et rien du style de Jan. C'est déjà pas facile de faire des outfits dans des friperies. C'est déjà pas facile de faire du shopping tout court. Rien que pour moi-même, j'arrive pas, donc pour toi. J'ai plein d'articles dans mes mains, mais j'ai aucune tenue quoi. J'ai chaud. Au pire, je prends des robes et ça va faire des tenues. Je fais pas de shopping en magasin parce que ça me saoule en fait de passer. Ça me donne chaud. Juste chercher, fouiller et tout, j'aime pas ça. C'est pour ça que j'ai pas fait de shopping depuis à peu près 4 ans. En fait, le truc, c'est que j'ai fait le tour du magasin 8 fois à peu près. Et je repasse en espérant encore et encore trouver quelque chose, mais. En vrai, j'ai plus d'espoir. Mon corps n'a plus d'âme en ce moment. Je trouve que la grosse difficulté, ça va être de faire du shopping dans ton style, étant donné qu'en ce moment, ton style il est en évolution tout le temps. Je trouve que c'est difficile. Bah ouais, étant donné que moi, je sais même pas ce que j'aime. Ouais, c'est ça. Trouver des outfits pour toi, c'est pas facile non plus. Hein. T'es très picky hein, quand même. C'est impossible. T'es trop difficile, toi. T'as un seul style particulier. Faut respecter. Non, c'est pas vrai. Si. Bah amène-moi sur d'autres pistes. Moi, je vais t'acheter un jean, frère. On va lui acheter un non, jean. Non, s'il te plaît, m'achète pas de jean, si. Par contre. Je vais lui prendre un truc bien moche. Mais non, ça. Ah bah si, à un moment donné. Moi, je mets du cœur. Moi aussi, je mets v'là le cœur. Je mets surtout tous mes bras parce que là, j'ai plus de bras. Je sais pas si c'est toi ou pas, mais je viens de voir une robe apparaître qui était pas là avant et elle est très moche. Alors c'est peut-être moi qui l'a redéposé. Elle porte que des jupes, ça sent en bas, donc je vais pas regarder les pantalons. Je vais être transparente avec toi. Tu vas voir à travers mon corps. Ok. Je sais pas du tout si j'ai fait les bons choix, mais bon. Moi c'était très compliqué. Hein. J'ai transpiré hein, dans cette friperie. Ouais, moi aussi. Se rajoute au défi la chaleur ruisselant de mon corps. Je transpire à chaudes larmes. Je vais commencer avec la tenue la plus simple, je dirais. Je sais pas trop. Guys, je viens juste de trouver un short Versace. Actually, je pense que c'est un fake, mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc cool avec ça. Et j'ai trouvé un petit top. Ce petit top là, je pense que ça va bien aller avec, parce qu'il est hyper crap. Un peu old school, mais j'aime bien. C'est un peu années 2000. J'aime bien années 2000 jusqu'à maintenant. Petit top comme ceci. Ah, pas trop mon style ça. Pas trop mon style, c'est plus ton style ça, frère. Avec un short comme ceci. Je pensais que t'allais prendre trop petit déjà. Et ça va pas l'air trop petit, par contre, ça a l'air trop grand. Regarde l'étiquette. 5 balles? Non, c'est pas ça. Versace? C'est pour de vrais Versace? Je sais pas. Je pense que c'est un fake là, obviously, 5 dollars. Comment savoir si c'est un vrai? Bah, comment savoir déjà, l'étiquette c'est pas centré sur le. Bah, ouais. Je t'avoue que les trucs clairs, les jeans clairs et tout, c'est pas trop mon vibe. Ça fait un gros fessier. Je préfère quand c'est foncé. Franchement, c'était dur de trouver ton vibe dans le magasin. C'était vraiment. Bah, t-shirt, ça, mais j'ai trouvé ça. Celui-là, je l'ai trouvé en friperie, ouais. Ok. J'ai trouvé là-bas. Mais je l'aurais pas forcément acheté. Ouais, moi j'aime bien les t-shirts comme ça. Oh non, mais ça va pas du tout. Ça, ça va pas du tout. C'est quoi oh ça? Oh non. On voit ma réelle en fait, je suis. Ça va pas du tout. On dirait que t'as les fesses de papa, montre. Oh non, ça se fait pas. Mais le haut, ça va peut-être faire un effet. Non, ça fait pas d'effet. Ça, c'est moche. La couleur, moi, à la limite, c'est ce qu'il y a de moins pire au final. Alors, je détestais la couleur, mais. Ah bah voilà, c'est vraiment cute. Ça. Cute. On est où là? J'ai l'impression d'avoir 6 ans quand je me suis fait vêtements. Non, ça va pas trop. Mais le short, t'as pas remarqué qu'il était un peu trop bas à moins de. Je sais pas, je pensais que t'avais pas une très grosse. Je me suis pas vue, j'aimerais ça un miroir, mais de toute façon, on voit. Ton boule a disparu de ton corps. Bon bah, c'est raté, hein. Au moins, ça aère mes aisselles, ça fait plaisir. Bon, ah voilà. On dirait moi que dans les années 2005, genre. Mais vraiment. Alors, t'es prête? Non. Il me faut une jupe qui matche avec ça. C'est bien ça. Non? Non, c'est bizarre. Ça, elle aimerait bien, mais ça va être trop grand. J'ai trouvé ça. Trop bien ça, non? Je te demande un par un article ou les deux en même temps? Si c'est un outfit, les deux en même temps, je sais pas. Non. Alors, j'ai pris une jupe comme ça. C'est cute ça? Je savais pas. Ta bah, taille si. Et tout, c'était difficile. C'est cute, je sais pas, ça a l'air grand, mais c'est cute. J'aime bien la matière et tout, c'est original. Je me disais que les jupes, tu détestes quand c'est droit les jupes, right? Bah, ça dépend du style, mais j'aime bien ce genre de jupe. C'est joli. Ça, le truc, c'est que c'est pas vraiment un outfit quoi. Le col est bleu? Ouais.
Mais à un moment donné, tu vas pas me porter du rose toute ta vie, hein. Bah non, mais pas du bleu. Bah si. C'est un carton, genre. Ouais, c'est du carton, c'est du papier. Bon, je mets la chemise bleue. Le problème, c'est que les autres chemises que j'ai trouvées, c'était du XL, en fait. Donc je me suis dit, bah vaut mieux que ça taille, même si tu le mets pas. Franchement, de derrière la coupe, elle est stylée. Elle a des petites épaulettes et tout, et c'est plissé. Stylé, ouais, je te jure, c'est stylé. La outfit, y'a rien à voir. Putain, ça me tue. Rien à voir. Franchement, je te jure, moi j'ai pas. C'est horrible, mon dieu. Ah, avec tes cheveux, on voit pas le col, c'est bien en vrai. Ah, voilà, quand on le cache comme ça. Ouais, franchement, au moins c'est pas pire que toi. Hein. Toi, ce que tu m'as fait. Non, mais en vrai, par contre, la jupe, j'aime bien. Je pense que la jupe, je pourrais la garder, la mettre avec d'autres outfits. Franchement, c'est original. Juste pour qu'il mette de l'assouplissant. Je te jure. Les blades dures. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Mais j'avais besoin d'un cale-porte pour la porte de mon dressing parce que mon dressing est... Non mais regarde, regarde, il y a les détails que t'aimes bien, c'est plissé et tout. Ouais, c'est vrai, c'est le principe d'une chemise en général, les chemises sont coupées comme ça. Non, non. Mais tu sais, parce que mon dressing, la porte, elle se ferme pas. Ouais. Fait qu'il me faut une cale, alors... Tu vas utiliser ça? Bah merci. En vrai, j'aime bien la jupe, c'est un point pour vous, pour la jupe. Bah au moins, t'as quelque chose que t'aimes bien, pas comme moi. Bah ouais, c'est ça. Vous aimez pas votre petit short Versace? Franchement, merci, mais non. C'est vraiment horrible, je suis désolée de faire subir ça. C'est vraiment moche. En fait, c'est qu'il n'y a pas de cohérence forcément entre les deux. Je viens de penser que j'ai pris un deuxième haut parce que je savais bien que ça allait être dégueulasse. Donc j'ai pris un truc qui était moins dans ton style, mais au moins qui allait mieux matcher. C'est un bandeau. Ah oh, bah oui, je pense qu'avec un bandeau, ça va être beaucoup mieux. Bah ouais, c'est ça que je viens de penser que j'avais pris beaucoup ça. Mieux. Bah ouais, 30 fois mieux en fait. À 3$, pas cher. On voit les marques des aisselles de l'ancien propriétaire. Ouais. Ça va être beaucoup mieux ça. Bah oui, c'est mieux. Bah voilà, c'est archi cute là, franchement. Je savais bien que j'étais une boss à ce bitch. C'est vraiment mieux avec le bandeau là. Bah ouais, 30 fois mieux. Franchement, c'est mignon. Moi j'aime bien. C'est une réussite. En tout cas, t'as bien fait de prendre le bandeau et pas rester sur la chemise parce que ça aurait été une catastrophe. Ouais. Là j'ai tenté quelque chose, je sais pas du tout si ça va être dans ton style ou pas, mais je me suis dit que c'était cohérent et moi j'aurais pu la porter, fait que voilà. Donc ça va pas être dans ton non, style. Non, 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 si toi, non, parce que j'aurais pu la porter, mais dans un style un peu comme urbain, un peu différent tu vois, je sais pas, tu vas voir. Les trucs que j'aime, tu pourras pas les porter. Okay. Bon, j'ai pris 10 000 trucs et je vais essayer de les agencer ensemble, procéder par élimination, établir une stratégie. Ok, je crois que j'ai trouvé un truc. Je sais pas trop si c'est son style, mais on va tenter. Au moins, les couleurs vont quand même bien ensemble. C'est assez classique en fait comme tenue. Et pourtant, un truc classique en ce moment. Donc, il y a moyen que ça. Bon, j'ai demandé à Jeanne de fermer les yeux et je vais utiliser ses pieds pour essayer différentes chaussures parce que je veux que ça lui aille. Tu fermes les yeux, Soy, hein? Ouais, ouais. Ok, c'est parti, je vais utiliser tes pieds. Moi aussi, j'aime pas les tout pointus. Ouais, mais tant pis. Attends. Ça va être un filet de pêche encore. Ça. Non, ça va pas être un filet de pêche, Soy. Attends. Bon, voilà. Mais c'est ton style, ça. Non, ça. Regarde, c'est un petit bodysuit que tu mets avec le pantalon. En fait, c'est pour faire l'équitation, ok. En fait, c'est une tenue d'équitation. Avec un petit haut. Essayez ça, Soy. Avec les chaussures, Soy. Oh non, mais encore pire, je vais jamais mettre ça de ma vie. Essayez. C'est en essayant qu'on devient essayeron. Je déteste les vêtements qui collent. Oh, en plus, le haut col aussi, ma phobie, les deux cols. Oui, on dirait toi quand tu t'habilles mal. On dirait toi quand tu mets des vêtements moches pour une vidéo spéciale moche. Je peux savoir quand est-ce que je fais des vidéos spéciales moches. C'est horrible, mais on dirait que tu as fait exprès. Moi, je trouve ça cute. Je me suis même pas vue, j'ai même pas envie de me voir. Va te voir, ça, s'il te plaît. Mais je vais hurler, en fait, de peur. Je vais vomir sur ton miroir. La maîtrise du talon. Comment ils sont confortables, les talons? Mais ça... Non, c'est pas moi, c'est quoi ça? Non mais c'est bien pour l'équitation. Mais à quelle heure tu t'es dit ça va bien avec ça déjà? Je sais pas, j'ai eu du mal, ça, c'était difficile. C'est pas difficile, tu prends un t-shirt, tu contentes. C'est vraiment pas difficile. Ouais mais je voulais pas que tu dises que j'ai habillé la Jeanne de il y a 5 ans. Parce que sinon j'aurais pris des t-shirts avec plein de couleurs et tout, mais je sais que c'est plus vraiment ton style. Mais est-ce que tu me vois porter ça? Non. Bon, on est d'accord au moins. C'est cute moi je trouve. C'est vrai. T'abuses. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Ouais, t'abuses. Je te jure, j'abuse pas. Regarde. Bon, on dirait toi avant ton glow up. Mais je m'habille encore comme ça. Non, Soy. On dirait toi en 2000, Soy. Ça n'existe pas. Personne s'habille comme ça. Moi, je trouve ça pas mal. Je sais pas, je trouve ça quand même, ça matche plutôt bien, regarde. Sur toi, ça va mieux déjà. Regarde. Les manches comme ça, la veste, rien regarde, à voir. Les manches, hop, comme ça. On dirait les pires vêtements que t'as dans ta garde-robe que tu empiles sur toi. Ok. J'aime le fait que t'as voulu prouver ton poids en portant sur toi-même. En ce moment, je sens le cheval. Donc, la tenue d'équitation est vraiment bien adaptée. Tenue suivante. C'est pas si génial, mais...
C'est mieux que ce que je viens de faire. Ouais, ça c'est sûr. J'en peux plus du tout. C'est quoi ça? N'importe quoi. Oh, c'est mignon ça. J'ai trouvé une petite jupe qui matche avec le haut. Cette petite jupe là, elle est très bien. Ouais, je crois que je vais prendre celle-là à la place de celle-là. Parce qu'elle aime moins les coupes droites comme ça. Je pense qu'elle va préférer ça. Après, est-ce qu'elle va être trop petite pour son cul? Je sais pas. Ça, si tu veux pas, en vrai, je garde pour moi parce que j'adore. Bon, je sais pas si t'aimes les fleurs et tout, mais bon, c'est comme ça. Parce que sinon, j'allais prendre que des chemises. Il y a certaines fleurs. Tu sais que j'ai failli le prendre pour toi, mais je me suis dit que ça allait être trop grand au niveau de la poitrine. Ouais, aussi. Moi aussi, je me dis que ça allait être trop grand pour toi. Et la jupe, j'adore la jupe, elle est trop belle. C'est cute, c'est cute. La jupe, elle est incroyable, elle est super confortable. Oh, c'est vraiment cute. Ok, je vais au début, ça. Attends, je préfère te dire juste un truc. Au début, j'avais trouvé une jupe qui a matché exactement pareil, mais je me dis, t'aimes pas quand ça match pareil. Oui, non. Et puis en plus, elle était serrée au corps, donc t'aurais détesté. Non, c'est sûr. J'ai bien fait de prendre la jupe. Ouais, la jupe est vraiment belle. Le haut, je sais pas s'il va m'aller. Ouais, peut-être il va être trop grand. Mais j'ai essayé sur moi et ça marchait. Ouais. Ouais, ça marchait. Ok. C'est plus beau sur portée que comme ça, je pense. Ah, je vais peut-être reboutonner ça, c'est pas très élégant. Alors, oh c'est bizarre. Oh non, je suis déçue, ça va pas le haut avec le bas. Ça marche pas, ça marque pas la taille, du coup il manque un espace. Ah non. Faudrait couper la frange. Non, est-ce ça que va je pas. Je devrais mettre la jupe par dessus le frou-frou genre. Ouais. Attends. Oh je suis trop déçue, je pense que ça va être beau. Ouais comme ça ouais. Ah non, ça marche pas du tout. Ah bah non. Oh là ça va mais bon. C'est basic et mon charisme ne peut pas trop se développer dans cette tenue. Non mais c'est pas ça, c'est mais vraiment. Mais ça va, c'est quand même cute. Ouais mais la taille elle est pas bien marquée. Non c'est pas ouf, c'est pas comme ce que j'imaginais. La jupe est jolie en elle-même, le top aussi, mais ensemble. Ouais c'est exactement genre, ça. Une contrariété genre. Voilà non ça non. Ça va pas. Ah pas du tout non. Ah non on dirait une bergère frérot. Non. Après mon poste de cowgirl dans un ranch, je me retrouve gardienne de moutons. En fait je fais tous les métiers aujourd'hui qui ont un rapport avec la nature. Ouais. Non mais non, n'essaye non. pas. Hein. Non, c'est, ça, non, c'est pas mieux comme non. Ça, non. Franchement c'est un échec. L'échec est cuisant. Soy? Oui Soy, surprenez-moi. Je vais vous surprendre Soy. Comment vous allez me démolir. Je sens que vous allez me démolir. C'est, c'est pire. C'est pire que les autres. Parce que c'est vraiment dans ce vibe que j'ai été, tu vois. T'es restée dans le vibe. Cheval, années 2000, Genali, tout ça. En plus, il y a un bon côté années 2000, mais toi, t'as vraiment fait le mauvais côté années 2000. Et je me suis donné en plus. J'ai trouvé ce grand pull oversize. Il faudrait que j'accessoirise parce que juste comme ça, ça va être un peu bizarre. Ok, j'ai trouvé un petit accessoire, guys. Je pense que ce sac-là, il pourrait aller avec le haut. Oh, c'est cute. C'est comme deux teintes de rose un peu différents, mais ça match bien, je trouve. Waouh. On va arriver à un truc. Il me faudrait des chaussures, en fait, pour aller avec. Parce que sinon, ça fait vraiment hyper cocooning, mais si on met des petits accessoires, il y a moyen de rendre ça nice. Ok, je pars en quête d'escarpins. J'ai mis du temps, ah, on j'ai a cherché. On s'est tous les deux très bien donné, hein. On est resté des heures et des heures dans ce truc-là. Pour des heures, final, pour rien du tout. Pour un résultat claqué au sol et aucune satisfaction. Zéro satisfaction. Voilà. N'hésitez pas à devenir youtubeur. Fermez les yeux, ça. J'ai peur, j'ai vraiment peur. Je vais donner à maman, ça, c'est sûr, je vais donner à maman. Ah, je donne à maman. Non, mais au moins les couleurs sont belles. Mais par contre, il n'y a rien en dessous ça, c'est une robe? Oui, c'est une robe pull. Bah, ça va. L'idée est bien. Ah ouais. Essayez. C'est grand. Ça va servir de serviette de plage en c'est même temps. Un petit peu grand ça. De plaid. Essayez. Et ça va avec les chaussures noires aussi. Ah. Génial. C'est bien, maman, elle va aimer ça. Oh, maman, on va bien aimer. C'est ce que tu t'as pris legit 10 ans. Ah oui, non, mais là, j'ai pris 10 ans et en même temps, on est 10 ans en arrière. Ouais, c'est ça. T'as genre 35 ans, mais dans les années 2000, genre. Mais c'est terrible. Mais mets sur tes épaules un peu le col. Ah, comme ça, ouais, ça va être mieux. Ah, mais là, on est carrément en 2000, hein, moins 2000 même. C'est clairement ça que tu mettais quand t'avais 10 ans. Ah, génial. Ça m'aurait servi, mais un peu plus tôt, quoi. En vrai, il est pas trop mal le pull en tant que tel. Enlève le sac. Mais bah, maman va aimer, hein. Je vais essayer de te convaincre encore. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un porter ça? Dans Tellement Vrai. Ouais, dans Tellement Vrai. Ouais, mais c'est bien là, j'ai toutes les tenues pour passer dans Tellement Vrai, c'est parfait. Donc, je vais faire une petite thématique et puis je vais contacter la prod. Hein. J'arrive pas trop à comprendre, mais c'est censé ça. C'est censé être comme ça. Je me mets dehors, le mec de la poubelle il me ramasse. Bah, je vais aller m'enterrer. En vrai, c'est ce qu'il y a de moins pire, ça fait des jolies fesses. La couleur est pas mal quand même. Oui, la couleur, ouais. Et le tissu. Ah non, il me fait transpirer sa grande race. Ouais. Mais ça, c'est parce que t'as trop chaud, Soy. Dernière tenue. Ça et ça, on va dire que ça fait une tenue. Je suis trop chargée, là. Je vais mourir. Un haut. C'est violet. Ouais.
Non mais oui, t'auras rien de rose. Hein. Je te le dis direct. Ouais, j'espère à chaque fois. Non. Non mais en vrai, c'est un joli violet, genre c'est pastel un peu. Et oh mais c'est cute, actually. Ah ouais. J'aime bien. Moi, je savais pas les couleurs. Moi, j'achète toujours des trucs qui vont exactement ensemble. Alors. J'aime bien ça. Genre, c'est un peu dépareillé, mais en même temps, c'est cute. Ça a l'air cool. J'aime bien. Ça, c'était un accessoire pour toi. À la base, c'était pas pour Alexa, c'était pour Alexa. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu vintage. Ouais. Si t'aimes pas, je les garde. Je les garde. Oh non, je suis dingue. J'aurais pas dû les montrer. Ok. Je voudrais accessoiriser, mettre un petit serre tête blanc avec. Ouais, vas-y, vas-y. Merci beaucoup. Je suis dingue de lui avoir montré les lunettes. J'aurais dû les garder. Allez, viens, sors des toilettes là, le gnome. Oh, bon, je mets ma jupe. Ouais, la jupe est un peu grande. La jupe est un peu grande. Mais c'est pas mal en vrai, ça aurait été cute. Ouais. Tu fais un petit point de couture pour la serrer à la taille. Ouais, moi la limite. Franchement, ça va hein. C'est mignon, j'aurais pas pensé agencer ces deux couleurs ensemble. Mais... moi non plus. Je pense ouais, que vous avez gagné. Hein. C'est cute. Tu sais ce que j'aime bien, les différences des matières, genre. Waouh. Bah tant mieux. Vous êtes Christina Cordula, c'est vrai. Par contre, ce que j'aime moins, c'est que vraiment, genre, toute l'eau de mon corps sort en ce moment. Ouais, pareil. Tous mes pores. Genre. Ouais, je fuis moi aussi. Je fuis partout. Je vais mettre ça avec des petites chaussures, avec des chaussettes blanches. Oh, c'est cute. Ouais. Bah, y en a une qui va pouvoir garder ses vêtements. Bah, ouais. Attends, je vais essayer quand même avec les lunettes. Non, on dirait une mouche de terre là. Bah, c'est bien parce que toi, si tu finis en sac poubelle devant la maison, moi, je pourrais être la mouche qui vient butiner le sac. Ouais. Et on va ensemble vers la déchetterie pour vivre notre meilleure vie. Voilà. Alors, il y a des échecs et des réussites, et plus de réussites de mon côté, de toute évidence. Comment ça, de ton côté? Bah, pour ma pomme, quoi. C'est plutôt moi qui ai réussi, du coup. Oui, mais la personne qui en tire les bénéfices, sont moi. Je pensais vraiment que j'allais perdre. Je pensais vraiment que t'allais faire mieux que moi partout. Tu sais pourquoi tu pensais que t'allais perdre? Pourquoi? Moi, je sais pourquoi. Parce que j'avais beaucoup d'assurance dans le magasin. Ouais, ça, c'est sûr. Ce qui était une façade. Parce que. Au fond de moi, je suis sûre que t'avais un peu confiance. Non, non, j'avais pas confiance. Oh, le sac, il est beau, j'avais pas Je crève de chaud. T'as pas vu le sac? Non, j'avais pas vraiment. Attends, on va aller le voir un peu. J'aime bien le sac, Soy. Mais le sac est nain, mais regarde même pas l'outfit que je lui fais. Oh, bah si, t'inquiète pas, j'ai bien regardé. Soy a gagné ce défi. Félicitations, Soy. Félicitations. Ah, quels articles tu vas pas garder? Je ne vais pas garder le haut, la chemise avec le petit truc bleu là. Le bleu, le turquoise, Soy. Non, le turquoise n'a aucune place dans mon cœur. T'es aussi rétractive comme ça avec les couleurs? Je suis rétractive comme un escargot dans sa coquille, genre c'est mort, c'est le turquoise, c'est pas possible. Moi je pensais que tant que la forme était chill, t'étais chill avec les couleurs. La forme et la couleur comptent. Autant l'un que l'autre. Ouais, ouais. J'ai une question, est-ce que du rouge t'aurais mis? Parce que j'ai vu des outfits pas mal en rouge. Ah ouais, donc heureusement j'ai pas pris. Donc t'as que le rose quoi. Et toi t'es vraiment pas difficile de faire ça. Il y a que le mais rose. Mais non, regarde, j'aime bien le gris, j'aime bien le violet. Même là c'est grosse prise de risque. Tout ce qui est pastel, qui est des couleurs un peu passées, qui est natural en fait. Bon bah voilà, c'est tout. J'espère que ce petit défi vous aura plu. C'était vraiment un gros défi, c'était compliqué. Personnellement ça m'a pas forcément plu. Personnellement je suis déçue de une chose sur deux, mais je suis quand même gagnante dans cette histoire puisque j'ai gagné des nouveaux vêtements qui me plaisent. Pas comme ça. Merci pour vos efforts. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Bye.